Quel est votre regard sur cet incroyable film Shoah ? Écoutez, ce film a été un grand événement, un événement cinématographique, mais aussi un événement historique, puisque pendant 9h30, on a pu voir au plus près de la destruction. C'était un film sur la mort, au plus près de la destruction. On a pu voir tout à la fois des juifs qui avaient survécu, des nazis et des témoins. Et que Lanzmann a tourné sur les lieux mêmes où s'étaient passés ces événements, à Rhenno, qui a été le premier centre de mise à mort qui a été ouvert par les nazis, à Auschwitz, à Treblinka. Ça a donc été un très très grand événement. Et ces 9h30 de film n'étaient qu'une toute petite partie des 300-350 heures qu'il avait tournées. Ce qui lui a permis après de refaire un certain nombre d'autres films avec ce qu'il n'a pas utilisé dans Shoah. Par exemple, les 4 sœurs, qui sont sortis hier ouais, en salle, hein, qu'on avait vu à la télévision sur Arte il y a déjà plusieurs mois.